Bonsoir. Vous êtes en compagnie du seul et unique tonton aujourd'hui. Non, faut que je change parce que c'est chiant. Pardonnez-moi, j'ai envie de partir dans un fourrien, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dérange? Je vous emmerde, le mec. Non, bienvenue pour le cinquième épisode de Family Mr. Wee, la promesse empoisonnée, la poisonous promise. Je sais pas comment le dire en anglais, mais vous m'avez compris. Donc, on enchaîne direct, on a récupéré la carte, on a récupéré le cadeau dans le précédent épisode, maintenant. Let's go. Let's go. Bon, c'est un peu compliqué à couper ça, je suppose. Oh non! Les épingles, j'espère qu'elles n'étaient pas utiles. Et comme par hasard, elles sont utiles. On prend vraiment pour un con, quand même. Hein. Bien sûr, les broches sont nécessaires. Bravo. Il faut le faire avec ça. En effet, je me demande... où est le lapin ? Quoi ? Ce n'est pas le moment de jouer avec l'eau. Et c'est, ça sert strictement à rien. De jouer avec l'eau. Connard. Connasse plutôt. Quelque chose se refroidit sérieusement dans cet endroit, dans cette maison. Non, ce n'est pas là. Ok, j'appuie un peu n'importe où, j'avoue. Le chantier est proche. Zoom zoom. Zoom zoom zoom. Non. Ok. C'est quoi? Incroyable. Cette femme a sait tout faire. En aimant, tiens donc. Mais comme par hasard. Non, c'est bon, du moins. Ma tante derrière la porte d'entrée. Ben oui. Est-ce que ça fonctionne réellement? J'ai jamais testé pour de vrai. Hein? Même si je monte au-dessus du camion. Les barres, ok. Bah je les ai, qu'est-ce que tu me fais chier? Où sont les broches? Attends, quoi? Goupille pour l'échelle. Attends, what? C'est quoi ça? J'ai hâte de disposer d'une meilleure vue d'ensemble. Je sais pas, c'est quoi? Eh, mais... klaxon de vélo? Je vais être franc, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Ah mince! J'avais pas vu qu'il fallait utiliser. Bah là oui, là c'est mieux, logique. Allez monte, moute, moute, moute. J'arrive, Marc. Mon coéquipier. Oh! Des corbeaux. Oh! Les dieux nous regardent. Je vous jure, à chaque fois que je vois des corbeaux d'or, j'arrête pas de dire putain. Les dieux nous, me regardent. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas. Pouit, 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 pouit. J'espère que ça va pas faire un son d'écho. Marc et Véronica. Enregistré. Ok. Laisse-moi essayer autre chose. Je n'aime pas ça, mais ces branches doivent descendre. Doivent descendre, hein. Il n'y a rien d'utile par là. Un cadeau, mes amis. Je suis obligé de me concentrer maintenant. Je lis vu les cartes. Oh, merci. Oh non, 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 non. Attendez. Excusez-moi pour le boucan. Très chaud. Ok, donc, il peut en avoir dans un seul et même lieu. J'espère que j'en ai pas loupé. Parce que ça aurait été chiant.
Retour, s'il te plaît, monsieur. Incroyable. Incroyable. Bouteille de liquide dangereuse. C'est quoi ça? Bah, tu veux que j'englande quoi? Ah, j'avais pas vu. Ah bah tenez, monsieur. Je vous en prie. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, ok, 5, j'ai bu le 6ème, 6, 7, 8, 9, 10, ah bah voilà, enfin on l'ouvre, 11, alors, le 12ème, si quelqu'un le voit, se met à hurler, s'il vous plaît. C'est pas ça? Ok, c'est grand, c'est petit à la fois, c'est peut-être en dessous. Il est là. J'avais cru. Il est derrière toi? Non. Bah non, bien sûr que non. Ah mais oui. Mais oui. Incroyable, mais vrai. Donc, là... Alors, tu calmes. Chut. Restons discrets. Là, ça ne rigole plus. Je fais vite. Carte, cadeau, direct. Carte, bim! Je suis perdu. Je m'en excuse, mais d'abord je veux juste le cadeau. C'est obligé qu'il y en a un. Obligé. Je vais nulle part. Ah, mais j'ai compris que tu veux aller nulle part. Mes caisses sont vides. Comment puis-je le descendre? Qu'est-ce que j'en sais? Ouais les amis, j'y arrive pas. Je regarde trop vite. Zen. Ah non, ça ne sert strictement à rien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bonnes. Okay. Y a pas de clé, c'est une série numérique. Ce sont des criminels de haute vol en lieu. Bah, j'en ai pas, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant. Bah, attendez, je l'avais pas vu depuis le début. Impossible. Pourtant, je l'ai fixé. Je m'en fous, je l'ai eu. Maintenant, on se concentre. Pour autre chose. Donc là, je peux rien faire. On est d'accord. Tu veux que ce soit quoi d'autre? Du sang? C'est pas des vampires, t'inquiète pas, ça c'était précédemment. Mais en fait, le problème... Qu'est-ce que je dois faire en fait? Je comprends plus rien. Je peux pas utiliser la flèche du haut. Savoir direct qu'est-ce que je dois faire. Probablement caché là où personne ne pense. Hein, peut-être là où? Attendez. Légère. Non. Je peux pas. Là, c'est fermé. Attendez. Ok. Je l'avais pas vu. Franchement, je ne l'avais pas vu. Ok. Entendre des trucs, c'est débile ce que je suis en train de faire. Ce que je commets, c'est irréprochable. Je tente des mots français parce que j'en apprends.
De jour en jour. Ouais. Il y a autre chose. Je t'en prie. Alors, la discrétion, en tout cas, ce n'est pas notre... Je trouve pas le mot, mais ce n'est... Oh putain, j'ai du mal, what? J'ai le bout de la langue, ça va pas sortir. En tout cas, c'est pas dans notre domaine, si vous préférez, voilà, bref. Oh non. Alors, je n'ai pas fait exprès. Je vous le promets que j'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi. Tu veux une sucette? Pourquoi une sucette? Oh, mais c'est le padré, ça, non? Comment des armes Star ne voulaient pas le signer? Oh wow, si je peux les avoir en vrai. C'est le mec. Pour me faire quoi? Je sais pas, la collection peut-être. T'es mort? Mais non. Ah non, il est inconscient. Non, le secouer, ça ne marche pas. Ah, peut-être une lèche. Lévier. Ah non, c'est un lévier. Pourquoi je dis lèche? Non, c'est bizarre. J'ai cru que c'était une sucette. Pff, n'importe. Holy shit. On va y aller de notre côté. Pour l'instant. Ah. Ah. Bing. Il manque plus que... Là c'est... Non, c'est pas Véronica là. Je sais plus comment... Elle s'appelle l'autre. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon allez. On va les dégommer, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. Et sois discrète. Oh, c'est trop facile. Carte. Maintenant, je me concentre. Il était un peu suspect. Je l'ai trouvé direct. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est maintenant qu'il faut sortir. Hi guys, looking for me? Bon travail, bien sûr. T'es cache toi. Hein? Mais c'est... Attends, c'est un désodorisant de voiture coincée là-dedans. Tu en fais quoi en fait dans la main? Ok, messieurs. Oui. C'est qui? Je le savais. Il était après moi. Ah bah oui, c'était moi. Ah, c'était moi ça. Quel beau gosse. Quel bel gosse plutôt, parce que beau gosse, non? Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, moi je le veux bien, il est stylé. Oui, non mais... Ah si, non mais si, c'est... Pourquoi cette? Ça fait chier. Ah bah oui, vas-y. Du temps, moi je bois, et du temps, profitez-en. De vous abonner. Eh oui, c'est le principal. Abonnez-vous. Si vous voulez voir plus de jeux de ce style-là, parce qu'il y en aura plein d'autres. Et ça, ce n'est pas une blague. Écoutez, c'est détente, je kiffe, on réfléchit, et au moins ça m'aide à trouver certains mots, à jouer à certaines énigmes. J'espère que ça vous plaît aussi. C'est Marc avec Véronica et Elena. Voilà, Elena. Sur le yacht. Pff. T'es beau gosse, t'es belle gosse, t'es belle gosse.
On voit, c'est très très bien dessiné. Stan était là. Cette nuit orageuse. Attendez, what the fuck? Non, ça bouge pas. Je comprends mieux. Maintenant, je comprends un peu plus mieux. Excusez-moi pour le boucan, c'est la rentrée d'école. Donc, pardon, excusez-moi. Cette photo place Tan sur... Bon, et maintenant... J'espère qu'ils ne sont pas trop blessés. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de leur bouche? Non. Ah oui. Non, pas ça. Tu veux lui mettre quoi dans la gueule? Hein? Je comprends mieux maintenant. Detective, you've got to help me. They want to rob me. They tied me and left me here when I didn't sign that order form. They murdered my Veronica. Please. Please. Stan, I know that you were on that yacht. Tell me what happened there. I didn't mean to hurt anybody. Oh. Well, hello, detective. Nighty night. Oh les sales. Mais je vous avais dit, tous les hommes sont suspects dans ce. Dans cet univers. Je suis à l'envers, malheureusement. Oh mon couteau switch. Incroyable. Par contre, ça me donne le tournis à force. Je l'avoue que là... Cadeau. Je l'ai vu le cadeau. Je m'en fous. J'allais oublier le cadeau. J'allais oublier la carte. La carte. Elle est où? Est-ce que vous la voyez? Attendez, quoi? Mais elle est où? Je vous jure, je l'appuie n'importe où. Trop facile. Voilà, fais un petit nœud. T'arrives à faire tout ça avec... Attendez, c'est moi ou le couteau de suisse? Il était énorme à un moment, là. On va rien dire. Ce n'est rien. J'ai pas vu la carte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah oui, c'est du verre, j'avais pas vu. Ok. Par contre... Oh, la patte. Oh, le petit con. Il était bien gâché. Il était bien gâché. Bon, par contre, les épisodes, je sais pas combien de temps ça va durer. Écoutez, moi, je suis à fond, donc j'en profite. De combattant pour ces bandits. T'as tout à fait raison. Donc, il faut utiliser ça, il faut faire ça. Donc. Oh, caisse de munitions. Un marteau. Impeccable. Il me faut ça. Ok. Ok. Ok, ok. Tout se passe pour le mieux. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ok. C'est bon, il n'y a plus rien d'être. Carte, c'est bon.
Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Alors, faut rester discret, tiens, elle fait tout tomber. Ah mince, je n'ai plus de batterie. À ce qui paraît. Oh, trouver un chemin sur la source de la lumière. Hein? Mais c'est trop bien. Franchement, je kiffe énormément. Mais je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les épisodes beaucoup plus courts, c'est plus facile à regarder. Surtout sur une petite chaîne comme la mienne. Hello, kitchen staff. Relax. I'll go downstairs and make us some. Yes, I'm still here, sir. Hola, kitchen lady. Two daiquiris, pronto. You'll get your drinks with a little twist. Okay. Ah, mais attendez, parce que moi je veux ça. J'ai vu le cadeau. Oh merci. Et j'ai dit que j'allais m'en arrêter ici, même si j'ai envie de continuer. C'est bizarre, les durées des vidéos font plus, ils font moins. Bref, vous faites comme vous voulez. Moi, 20 minutes, 22, même 22 minutes, ça suffit amplement. Au moins, c'est plus facile à regarder sur cette petite chaîne. Bref, bisous, bonne nuit, c'est 4, mes amis. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites plaisir, tonton, le mec. C'est un peu bizarre, vous êtes même la plupart plus âgés que moi, je suppose. C'est une question que je me le pose. Bref, on se retrouve pour le prochain épisode et hâte. Parce que là, c'est très intéressant, n'est-ce pas ?